Mesdames et messieurs, bonsoir, Saharam Dankom. On se retrouve une nouvelle fois à TSA Direct pour continuer à parler des programmes du Ramadan à la télévision, puisque le Ramadan, vous le savez, c'est un grand moment de télévision en Algérie. Beaucoup de monde regarde la télévision, notamment après le Ftour. C'est une période de prime time. Et nous avons avec nous ce soir, cet après-midi, ce septième jour du Ramadan, Mohamed Salah Daes, qui est directeur du Al-Yawan. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation. Vous avez beaucoup de travail, mais vous avez accepté de venir pour débattre et de discuter des programmes du Ramadan. D'autant plus que Jazari One diffuse un feuilleton qui est très suivi, visiblement, ce que nous avez expliqué tout à l'heure avant l'antenne, par les Algériens. Si c'est le feuilleton Al-Khawa. Oui, Al-Khawa pour sa deuxième saison, Pour ça, effectivement. alors, comment est donc ce suivi des Algériens sur ce qui est proposé chaque soir, donc de ce pétant. Ben, tout d'abord, je souhaite un bon ramadan à tous les Algériens. Merci. Et puis pour Ramadan, comme vous le dites si bien, c'est vraiment un moment de télé où Un grand moment. toutes les chaînes se consacrent énormément à préparer le mois de Ramadan. On ne néglige pas toute l'année, mais Ramadan est tellement particulier qu'il faut vraiment mettre le paquet. Donc notre challenge, celui de l'année passée, a été renouvelé encore une fois cette année. Ça veut dire que Al-Jazeera One, après sa relance en 2017, nous avons eu comme objectif de proposer aux téléspectateurs un programme 100% algérien, chose qu'on a pu réaliser l'année passée. Cette année aussi, on a reconduit ce même challenge et, alhamdoulilah, nous proposons également, sur les 24 heures de diffusion, que des programmes 100% algériens. Donc déjà, un premier objectif atteint. 2017, effectivement, Al-Jazeera s'est démarqué aussi par plein de programmes, mais entre autres, celui qui a fait l'unanimité, c'est le feuilleton drama Al-Khawa, qui était diffusé en deuxième partie de soirée. Al-Khawa a été couronné durant l'année, à partir de Ramadan, par Hilaliyat Ramadan, déjà, comme le feuilleton qui enregistre le taux d'audimat le plus important. Al-Khawa remporte aussi, pour la première fois dans l'histoire du drama algérien, le Murex d'or. Oui, C'est une très haute distinction. il a eu lieu au Liban, Au Liban, ouais, à effectivement. Beyrouth, oui. Madame Hadjidani aussi a lancé son générique d'or pour consacrer tout ce qui se fait sur la télé et particulièrement ce qui se fait pendant Ramadan. Et Al-Jazeera One avait remporté 11 trophées, 11 des 18 trophées proposés. Cela démontre un peu la qualité des programmes qui ont été proposés pendant Ramadan. Al-Khawa avait le nombre, il avait à peu près 8 trophées sur les 11. Sur les 11, après cet épisode déjà, 6 épisodes de l'Khawa, comment il est suivi actuellement par les Algériens? Parce que vous avez quelques chiffres. Nous avons 3 études d'Audimat qui sont Oui. faites par 3 cabinets. Oui. On peut même les citer. On a IMAR, on a MMR et Media Survey. Les 3 études pour les 3 premiers jours de Ramadan sont unanimes. Le programme le plus suivi en Algérie et qui se démarque tellement de tous les autres programmes, c'est Ouais. un pour deux ou un Un pour pour deux, trois ouais. parfois, c'est Al-Khawa, c'est C'est le carrément le feuilleton, numéro un c'est actuellement. carrément le numéro un. Sur l'ensemble, Al-Jazeera est donné par l'un en première position, par Media Survey en première position, par IMAR on est en troisième position, je pense, par Ouais. MMR on est en deuxième position. Sauf que dans ces classements-là ou Il y a un ces études problème, d'Audimat, ouais. il y a un petit paradoxe. Parce que quand on donne un programme sur une chaîne et quand on donne une marque publicitaire qui est diffusée uniquement sur notre chaîne, comme celle qui enregistre le taux de mémorisation le plus important. Oui. Et ça veut dire que le taux d'audimat C'est important, est ouais. le plus important. Donc, c'est un peu ce paradoxe, ouais, Parce qu'on connaît pas aussi le critère de l'évaluation. d'évaluation. Il On ne faut les connaît connaître pas. oui, Les paramètres aussi. la méthode, effectivement, comment on calcule. Ouais. Mais quand même, quand on a un programme qui enregistre
les taux d'audimat les plus importants, je pense que cela se reflète sur le taux d'audimat de la chaîne globalement. La particularité cette année, c'était aussi voulu, c'est une première, qu'habituellement, tout ce qui est feuilleton drama est diffusé en deuxième partie de soirée. Oui. El Jazeera cette année. Vous l'avez avancé. Exact. Nous avons opté de le diffuser en première partie de soirée. À 20h30. Et ça. Pourquoi ? Pourquoi ce changement ? Parce que si on se réfère un tout petit peu aux années précédentes, oui. On se souvient que la famille algérienne regardait sur des chaînes étrangères des feuilletons comme Bab el Hara par exemple. Oui. On le regardait. Deuxième partie de soirée. Non, c'était tout près de l'Aden. Oui, c'était avant l'Aden parfois. Parfois avant l'Aden. Oui. Mais cela n'empêchait pas les gens de le voir. Oui. Donc, nous avons opté pour ce choix de diffuser à partir entre 20h30 et 21h. Aujourd'hui, le travail est diffusé à partir de 21h quotidiennement. Et nous pensons que c'est vraiment un excellent timing. Un excellent choix parce que les autres chaînes aussi ont fait ce calcul. Alors, on revient au classement. Nous avons le classement IMAR de deuxième jour du Ramadan. C'était un vendredi, un week-end. Vous êtes classé à la troisième position avec 22%. Avant vous, il y a Chorok TV avec 35% et 33% pour Nahar. Et derrière vous, il y a Algérie 3 qui est à 17%. Vous en pensez quoi de ce classement ? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire il y a une incohérence quelque part. Oui. C'est vrai qu'on peut parler du cumul de ce qu'on enregistre pendant toute la journée, mais quand on a un programme qui fait 1 pour 3, qui enregistre un taux d'audimat de 10%, au moment où celle qui est classée en premier ou en deuxième, le premier programme, il est à peu près à 4%, qui a un décalage quelque part. Oui, donc il faut peut-être revoir la méthode pour savoir qui fait quoi et qui. Exactement. Est-ce que le premier est réellement premier, le deuxième réellement deuxième ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Sur une étude de MMR, on est donné comme deuxième. Et sur une étude de Media Survey, on est donné comme première. Et pendant tout le prime time, alors le prime et l'after prime, ça veut dire que pendant toute la soirée, de 20h30 à 1h du matin, El Jazeera est numéro 1. Toute la soirée. Toute la pas soirée. Uniquement pour le Khawa. Pas uniquement pour le Khawa. Il y a quand même des programmes assez forts ailleurs. Oui. À l'ENTV, à Chorok. Effectivement, il y a des programmes, mais quand on fait de la programmation, on fait de la programmation et on fait de la contre-programmation. Ouais. Ça veut dire qu'il faut savoir positionner des programmes pour concurrencer les autres. Concurrencer les autres. Parce que les caméras cachées captivent également une grande audience. Une particularité pour nous aussi, aucune caméra cachée pour les Algériens. Justement, pourquoi c'était un choix aussi de ne diffuser aucune ou de ne produire aucune caméra cachée. Si on arrive à le faire, c'est que le concept doit être inédit. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. De nouveau, exact. Pas du déjà vu. Du déjà vu ou une, je dirais un concept déjà produit sur une autre chaîne à travers le monde. Parce que vous avez remarqué qu'il y a tout un débat sur les réseaux sociaux sur les caméras cachées. La violence excessive, l'humiliation. D'ailleurs, monsieur le ministre Jamal Kaouan, monsieur le ministre de la Communication, on a fait déjà un petit commentaire il y a deux jours. Oui. Et à l'unanimité, nous avons fait un petit sondage, nous aussi, à travers quelques wilayas. Oui. Les citoyens sont unanimes que ce taux de violence est excessif. Devenu inacceptable. Inacceptable parce qu'on parle de casse, on parle. Et on a même vu qu'il y a des invités ou des vedettes de caméras cachées qui voyagent dans toutes les caméras cachées, dans toutes les chaînes. C'est quand même, c'est curieux. Je ne parlerai pas de Cheb Adeli là, mais bon. C'est une question qui reste posée parce que c'est vrai que ce n'est pas normal. Que la même personne soit piégée sur 36 000. Trois, quatre fois, c'est... Est-ce qu'il n'y a pas de bidonnage dans ces caméras cachées ? Nous avons un exemple, mais c'était fait sciemment l'année passée, sur l'Ouara. L'Ouara sur Chorok TV. Avec Rim Ghazali. Avec Rim Ghazali, effectivement. C'était une manière de dire... De dénoncer les caméras cachées, en fait. Exact. Maintenant, est-ce qu'il y a du bidonnage ou pas ? Il faut poser la question au producteur. Oui, parce que la question se pose. On a même écouté sur votre chaîne, je pense, un comédien qui s'appelle Marouane Grouabi qui dit je ne sais pas si c'est Jezali ou une autre chaîne, dit qu'on lui a proposé de l'argent pour passer les caméras cachées pour jouer la comédie. Parce que là, ça pose un véritable problème d'éthique aussi. D'éthique, hein. Et donc, vous avez choisi de ne pas. De ne pas.
pour éviter tout débat. Exact. Tout débat. Qu'en est-il des autres programmes, Mohamed Salah? Alors, pour nous, plein de programmes entre le culinaire. D'abord, nous avons toujours, on a reconduit aussi l'émission Laha. C'est une émission qui est diffusée pendant l'après-midi à partir de 14h. Laha. Laha. Pour elle. Oui. Voilà. Elle est présentée par nos propres animatrices et qui font un peu la modération entre les différents programmes destinés particulièrement à la femme et la ménagère. Donc c'est du culinaire, c'est des capsules et c'est un programme très très vif et très riche en contenu. En access, on a plein d'autres programmes, surtout dans le religieux, et c'est tout à fait normal. On a un programme qui s'est démarqué de tous les programmes parce qu'il s'est fait en Ouzbékistan et en Indonésie. Ça s'appelle comment ? Quel est le titre ? Nesemat Rabbaniya. Nesemat Rabbaniya, oui. T'as l'Oustad Njari. Et il est tellement bien fait, que ce soit en termes de technicité, les plans, le contenu, qu'il y a eu des papiers qui ont été repris en Indonésie et au Ouzbékistan à ce sujet. C'est vraiment, c'est des jeunes qui l'ont fait et on les félicite pour ce travail remarquable. L'accès est aussi pour les sitcoms, puisqu'il y a Nadar Droj qui est diffusé juste avant l'Eden. Oui, l'accès c'est avant le prime time. Exact, c'est juste avant l'Eden. Aussi, c'est une manière de cibler ceux qui livrent trop avant l'Eden à Dzaïr, l'Eden à Alger, l'est du pays. Notamment l'est, oui. Ils font trop à 10 minutes, voire plus avant Alger. Donc, on leur a choisi un petit programme, une petite comédie, qui est diffusée juste avant l'Eden. Juste après, on a aussi le sitcom Mabrouk ou Arba'in Sahra, Hajj al-Khadr. Je sais que vous n'appréciez pas Hajj al-Khadr, mais bon, Hajj al-Khadr a son public. Parce qu'il s'est trop répété aussi. À vrai dire, Hajj al-Khadr était diffusé juste après Khawa, à partir de 22h. Ouais. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de commentaires ou de demandes des téléspectateurs qui nous demandaient de le voir plus tôt. Ah. Et c'est suivi. Il est assez suivi. Parce qu'il est marié avec quatre femmes. Il gère son quotidien avec les quatre donc femmes. Donc la polygamie, fait de la propagande. C'est une belle fiction, je dirais. Ouais. Al-Khawa, 21h. Juste après, il y a une petite capsule de 7 minutes à peu près. Trig. C'est à peu près le même concept que scène de ménage. C'est des différentes situations dans des voitures, jouées par des comédiens. C'est réalisé par qui ? Sincèrement, je ne retiens pas le nom du réalisateur. Oui. En soirée, on reconduit encore une fois Jazeera Show, animé par Anissa Chaib. Justement, en présence de Marwan Garouabi. Justement, il a parlé dans cette émission. Ouais. Voilà. Oui. Donc, c'est un programme assez riche, bien ciblé, bien canalisé, une feuille de route très, 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 très bien faite. L'émission Le Code pour le jeu Ramadan. L'année passée, on avait fait 1 million de dinars à gagner quotidiennement. Cette année, avec notre partenaire Brandt, on fait un lingot d'or à gagner quotidiennement. On gagne réellement un lingot d'or ? Oui, on gagne réellement. Nous avons déjà 3 ou 4 gagnants, puisqu'on a commencé depuis lundi, je pense. Le premier... Carrément un lingot, hein ? Oui, un lingot d'or de 50 grammes. 50 grammes. Or, 24 carats, effectivement, 24 carats. Pour l'achat d'un produit Brandt, on peut envoyer le code barre. Et on fait un tirage au sort sous l'égide d'un huissier de justice. On a déjà été à Sétif, on a été à Batna, déjà les premiers gagnants. Aujourd'hui, je pense que le gagnant, il est sur Alger. Ils seront là. Donc, ça marche bien. Oui, ça marche assez bien. Et quand vous faites... Ça fait rêver un lingot d'or. Oui, ça fait rêver. Ça fait beaucoup rêver. Avoir un lingot d'or, ça rappelle aussi même ce que nous avons vu dans le cinéma. Et quand vous faites la préparation de la grille, qu'est-ce que vous prenez en compte ? Quelle cible ? Parce que si je cite ce sondage de Imar, la pénétration des chaînes algériennes, comment les hommes voient les chaînes ? Alors vous êtes pour les Algériens qui regardent la télévision,
Vous êtes à la troisième, quatrième, vous êtes à la sixième position. Derrière Nahar Chelour, le Def Chelour News, le Bilad ou le Jazariawan. On est mieux regardé par les femmes que par les hommes. Est-ce que c'est une chaîne qui est dessinée oui, ou pas? Mais c'est ça. L'année passée, dans ce même studio, on avait parlé des objectifs d'El Jazeera et on avait dit que El Jazeera, avec sa nouvelle stratégie, avec son nouvel esprit, notre cible, c'est la femme algérienne déjà, et la ménagère en particulier. Nous avons dit que nous voulons faire de cette chaîne une chaîne premium. Et nous voulons parler aux jeunes, en général. À la fin du mois de Ramadan l'année passée, et puis au fil de l'année, nos objectifs ont été à 100% atteints. Vous pouvez le voir sur cette même étude d'IMA, puisque c'est eux qui nous ont fourni cette étude, que tous les objectifs tracés par Jazeera ont été atteints à 100%. Donc pour rester une chaîne premium destinée d'abord aux femmes et également aux jeunes. Mais à la jeunes. Fin, vous me direz le Khawa, il est vu par tout le monde. C'est le grand public. C'est le grand public. Mais l'absence de comédien qui était le héros, le batal, comme on dit en arabe, Hassan Kshash, qui sera bientôt notre invité du Payton, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est retiré? Ça, à vrai dire, ça c'est son choix. Je lui laisserai le soin de s'exprimer sur cette question. Et puis, autant que chaîne, nous n'avons pas intervenu sur cela. Plutôt le producteur, M. Ahmed Nouda, avec sa maison de production Welcome Advertising. Tout s'est fait à son niveau. Et puis à la fin, il y a eu une décision de que Hassan se retire. D'ailleurs, pour partir participer à un autre feuilleton sur une autre chaîne. Qui finalement ne passera pas. Qui finalement n'est pas passé. Ouais. Effectivement, malheureusement, il n'est pas passé. Les causes réelles, je ne les connais pas. Il n'a pas été mis au courant par le producteur. Exact, non. Mais non. À la fin, je préfère respecter le choix. Ou des uns et des autres. Il n'y a pas eu de rupture dramatique dans le retrait du personnage? Non, du tout. Hassan Mustafaoui. Non, du tout. Hassan, au contraire, il continue à être un sujet très important dans le feuilleton, parce que le meurtre... Pas que de lui, Oui, le meurtre de Hassan Kshash dans le feuilleton reste aussi énigmatique. Qui l'a tué, pourquoi on l'a tué, quelle était sa relation avec ces gens, etc. Et c'est tout ça qu'on va découvrir au fil des épisodes. Et cette année, il y a des stars qui sont présents dans le pétan, comme Jamel Barek, Slimane Dazi, Elias Salem, Kalman Lebos, la comédienne. Est-ce que c'est un choix du réalisateur? Pourquoi cette présence de star pour renforcer le casting? On a fait une saison 1, et puis on est sur la saison 2. D'ailleurs, le temps nous a donné raison. Nous avons remporté le Murex d'Or avec cette fiction. Donc, je pense que... étoffer l'équipe avec des comédiens aussi talentueux, aussi professionnels que cela, ne sera qu'une valeur ajoutée pour le feuilleton. Tout à l'heure, on parlait justement de l'aura que peut avoir drama algérien dans le monde arabe. Et ben c'est grâce à ces talents-là, ces personnages-là, ces comédiens, que nous pourrons avoir cette aura. Et est-ce qu'il y aura une saison 3 de Khawa? A priori, non. A priori, non. Ça sera la dernière saison d'El Khawa, mais on ne sait jamais. Et pourquoi vous arrêtez? Parce que l'histoire se termine. Vous savez, tous les producteurs vous diront qu'il est plus simple d'écrire quelque chose de nouveau, de produire un nouveau feuilleton, que d'écrire une saison 2 ou une saison 3. La continuité. Exact. Elle est très difficile. Et vous avez pensé à l'après El Khawa, mais à Ba'd El Khawa? Évidemment. On se prépare déjà. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? On se prépare. Vous savez, dans une grille de télé, et particulièrement en Algérie, on a deux supports importants. On a le sitcom, la comédie, et on a le drama. Le drama, oui. C'est les deux supports les plus importants pour une grille pendant Ramadan. Ouais. Par la suite, tout ce qu'on peut faire. Mais ce qui est à retenir, qu'aujourd'hui, les habitudes web ont pris le dessus sur la télé aussi. Ouais, ils influencent la télévision. Les gens veulent voir des short programmes.
Ouais. Programme court, ouais. Court. Ouais. On n'a plus envie de voir un 25 minutes. Ou 52 minutes, ou 40 un minutes. Un 7 minutes, un 13 minutes maximum ouais. est amplement suffisant ouais. à regarder, même à la télé. Et ça, c'est vraiment c'est des pratiques ou c'est des habitudes qu'on a sur le web. Mais c'est pas évident de tout raconter en 7 minutes aussi. Hein. Oui, mais quand on sait faire une petite capsule de 3 minutes, 7 minutes, c'est énorme. Ouais. On peut vraiment faire de belles choses. Oui, c'est-à-dire dans le futur, vous n'allez plus diffuser des programmes ou des... qui dépassent oui, de... oui, c'est la... 30-40 minutes. Voilà, aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance. Il faut faire des short programmes. Si on veut réussir, si on veut capter le maximum, c'est le short programme. Et vous avez parlé du drama algérien et on en a parlé aussi ces derniers temps. Le drama algérien est-il exportable? Est-ce qu'il peut s'exporter dans le monde arabe notamment où il y a maintenant un champ presque un peu vide parce que le drama turc il est retiré de certaines chaînes notamment. Est-ce que le drama algérien a toute sa place pour se placer comment mais oui. De quelle manière? Mais oui, mais aujourd'hui on est sollicité justement pour vendre le Hawa à des chaînes. Ah. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit doublage à faire. Pour, doublé en arabe classique. Exact. En arabe classique, en syrien, tout comme le... Syro-libanais. On le fait pour les séries turques. Ceci est très possible. Mais cela dit que si aujourd'hui on est sollicité pour ça, que le contenu, que l'image, que la technicité utilisée sont aux standards internationaux et qui ont toute leur place dans le monde arabe. Bougoron passe sur un Bicicport quand même, de Rim Ghazali. Effectivement. Et vous avez des chaînes, quelles chaînes vous sont contactées pour Il y en a plein. Par exemple. On est en discussion, je laisserai ça pour des chaînes NBC par exemple. Entre autres, avec qui on peut avoir des discussions. Des discussions. Et est-ce que vous pouvez aller vers des coproductions maghrébines par exemple, parce que le réalisateur de Khawa est un Tunisien. Madih Belaïd est Tunisien. Et sa touche est tellement sur le feuilleton, il a une touche particulière, effectivement. Maintenant, faire des productions maghrébines ou coproductions maghrébines, pourquoi pas? Vous êtes favorable? Bien sûr. Et comment faire justement pour que le drama en ait une touche algérienne? Je ne parle pas du réalisateur, mais dans le contenu, touche algérienne, d'authenticité. Pour qu'on n'ait pas un feuilleton qui ressemble à un feuilleton turc. Le Khawa est un feuilleton 100% algérien. Ouais. Il est écrit par une algérienne. Oui. Beltima est 100% algérien. Sarah Beltima. Ce qui est bien aussi que Sarah, avant d'écrire la saison 2, particulièrement quelques passages, comme ceux de la prison, etc., Sarah s'est déplacée un peu partout. Elle s'est imprégnée de des lieux pour pouvoir écrire. Elle est allée en prison. Exact. Oui, c'est pas un lieu qu'on visite tous les jours. Oui, c'est pas le plus agréable, notamment. Exact. Donc il fallait, c'est ça, c'est ce qui donne un peu une réalité. Une touche d'authenticité. Exact, pour ce qu'elle a écrit. Et elle est à féliciter encore une fois pour ce travail. Oui, et vous allez continuer à travailler avec Sarah Beltima dans le futur. Pourquoi pas, c'est une excellente scénariste. Et pour Dadroj, vous avez parlé de Dadroj, le sitcom qui est réalisé par Honorine, il me semble. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il est suivi par d'autres? Dadroj est diffusé juste avant l'Aden. Oui. Il est suivi, oui, pas que sur la région d'Alger, parce que habituellement on a tendance à attendre l'Aden, à regarder un peu la télé juste avant. Mais à vrai dire, le positionnement ou le timing de diffusion, c'était vraiment pour une cible qui était en train de manger ou pendant le fthor. C'était en ciblé l'Est algérien. Et comment vous expliquez que dans cette année, dans les dramas, pas uniquement le Jazeera, il y a beaucoup de dar. Vous avez Dar Droj chez vous, il y a Dar Al-Ajab ailleurs, il y a Dar Jeddi à part. Il y a aussi le Biban. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Les maisons, il y a aussi le Biban. Biban Zahir sur Zahir TV, Dachara sur le NTB. C'est une appellation qui. Diar ou le Biban, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, il faut poser la question au producteur. Tout le monde cherche des logements ou là Moi, je pense qu'il y a assez de logements en Algérie. On en a fait tellement que... Voilà. Tout le monde rêve d'avoir des portes et des maisons. Et il y a aussi, dans plusieurs pays temps, le voyage dans le temps aussi. Si vous l'avez remarqué, dans trois programmes. Oui. Biben Zahir ou
وبوغرون ان اوتر بروغرام ولاد عنتر بن شداد ولا وليد شداد Ben, chez nous, on voyage pas dans le temps. Vous restez, vous vivez l'époque. On vit l'époque, effectivement. Et qu'en est-il de la concurrence, Mohamed Saradas? La concurrence est très rude. Elle est très rude. Actuellement. Oui, vraiment, la concurrence est très rude. C'est vrai, c'est une bonne chose parce que ça nous pousse à nous améliorer à chaque fois, à proposer le meilleur de nous-mêmes, à proposer les meilleurs programmes. Ce qu'on a fait pendant l'année pour sortir un peu de Ramadan, c'était de proposer des programmes inédits. C'est un contenu particulier. Faire des talk shows pratiquement tous les soirs. Ouais. C'était pas facile à faire. Vous ne faites pas du direct? Non, pas pour l'instant. On ne fait pas de direct, effectivement. Mais couvrir tous les primes avec des productions 100% produites par le Jazeera. C'est nos programmes. Ouais. On n'achète même pas de programmes. Ça, c'est pas. C'est Vous allez continuer à ne pas acheter des programmes? Oui, parce qu'à la fin, quand on fait nos comptes, c'est vrai qu'on gagne énormément sur les coûts d'investissement. Et mieux vaut investir sur du matériel. Chez soi, dans un studio, on a le plus grand studio de divertissement qui est un Malman, qu'on a inauguré en fin d'année, là, en décembre 2017. Et combien de mètres carrés? On est à peu près à le tout confondu à plus de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, oui. C'est assez grand, avec des décors aussi, de très beaux décors, une belle lumière et une régie son et vidéo assez performante. Et c'est ce qui donne un peu la qualité de nos programmes. Nous avons des chroniqueurs qui sont avec nous, c'est nos confrères de différents organes, de la radio, de la télé, de la presse nationale et même de la presse électronique, et c'est ce qui fait un peu la particularité de nos programmes. Est-ce que par exemple New Media TV cette année ils ont acheté quand même un grand feuilleton qui est très suivi dans le monde arabe, le Heiba, feuilleton libanais, est-ce que dans le futur vous allez dire que vous appuyez sur le programme national, est-ce que vous serez tenté à un moment donné d'acheter quand même un feuilleton? On a essayé une petite expérience déjà il y a 2 ans de cela sur Al Jazeera One. Là où on a diffusé Omar Ibn Khattab. Omar Ibn Khattab, oui. Effectivement. C'était une très bonne expérience parce que le feuilleton était tellement, tellement bon que malgré qu'il était en rediffusion, mais il a été suivi et il était diffusé en access. En access, oui. Mais quand on a un bon programme, je dis que le téléspectateur ne veut que cela. Et qu'en est-il maintenant? Parce que généralement, Ramadan, c'est la haute saison télévisuelle en Algérie. Qu'en est-il de l'après-Ramadan? Est-ce que vous avez pensé à la grille d'après-Ramadan? À vrai dire, pendant l'année, on en a 3. On a la grille Ramadan. Oui. Juste après, on a la grille de la saison estivale. Oui. Et qui est tout autre que celle de la saison officielle. Oui. Et effectivement, il y a des programmes que déjà nous avons décidé de reconduire pour la nouvelle saison, qui ont démontré leur performance. Par exemple, qui ont enregistré un taux d'audimat assez important. Entre autres, on a Mazel Hal, on a Rel Fouta avec Asma Halimi pour tout ce qui est sport foot. On a Jazeera Foot aussi, des Z Foot animé par Yazid. On a des Z Show qui est aussi pendant Ramadan de Anissa Chaib. On a Sogunsa aussi qui est animé par Mufida et Fizia. On a l'émission sociale qui s'est démarquée de tout ce qui s'est fait pendant l'année, c'est Neswa Hikayat. Tous ces programmes-là, déjà, ils sont dans la nouvelle grille. On reconduit bien sûr l'émission Lied Fried avec Naïm Sultani pour une nouvelle saison, Inch'Allah. Et Naïm Sultani me disait hier, le premier numéro va être fracassant. Pourquoi? Parce qu'il est déjà tourné et il est tombé sur un cas et en me disant de toute ma vie, je n'ai pas assisté à un cas pareil. Et quand on arrive à faire du bien, à être solidaire et aider, eh ben, alhamdoulilah. Et est-ce que vous allez densifier le créneau? C'est l'une des vocations de la chaîne aussi. De la chaîne, est-ce que vous allez densifier le créneau information? Le créneau information, aujourd'hui, il compte à peu près 4 éditions d'information, entre 13h, journal principal et le journal Kabyle, proposé en langue amazigh.
Nous, on n'est pas une chaîne d'information. Oui. Aujourd'hui, nous sommes toujours une chaîne généraliste, avec un objectif ou une ligne qui est destinée vers le divertissement essentiellement. Donc, même le JT, ou notre JT, était le premier JT. Déjà, on a un JT de 13 heures qui est présenté en dialectal. Dialectal, oui. Et puis, on a un JT qui est particulier, présenté debout, avec une tablette, et on est vraiment... C'est une particularité. Un JT, exact, ouais. Sur un JT light, car on propose du divertissement dans le... Dans le journal TV. Wow, dans le fait de l'infotainment, comme diraient les Américains. Donc, il y aura à part la grille, les programmes reconduits. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour la prochaine grille, de la rentrée? Oui, on est en train de préparer plein de programmes pour des raisons concurrentielles. Je ne pourrais pas les dire. Ah, vous voulez rien dire. Ah oui, non. Ah, on parle, vous savez, hein, si on parle de la rentrée septembre, ah, bah, on a 3 mois. On et a en 3 mois, on peut préparer pas mal. Vous avez peur qu'on vous pique les idées ou... Effectivement. Et justement, il y a un marché des programmes. Comment se fait le choix, les gens, parce que ceux qui viennent, ils viennent vous proposer un programme ou un sitcom, ils vont aller dans d'autres chaînes. Donc, comment vous faites votre choix, le rabel, comme on dit en arabe? Ben, à vrai dire, il faut que le programme, quand on nous présente un programme, il faut voir c'est quoi le contenu déjà. D'abord. Vous avez quand même un regard sur ce qui est dedans. Bien sûr. Mais on peut pas accepter n'importe quel programme. Oui. On nous a proposé des plein de caméras cachées. Ah. Mais non, le choix était fait et la décision a été prise de ne pas diffuser de caméras cachées. Il y a une inflation de caméras cachées quand même. Et on ne l'a pas fait, on l'a pas fait. C'est la même chose lorsqu'on nous présente des sitcoms, des feuilletons, plein de des émissions. On regarde le contenu, déjà est-ce que ça répond un peu à l'esprit de la chaîne? Est-ce qu'on n'a pas un programme similaire à la chaîne? Oui. C'est tout ça, hein. c'est plein de critères à prendre en considération avant d'opter pour un programme ou pas. Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'un feuilleton qui passe sur Chelo qui s'appelle La Zineb. Et vous m'avez dit que c'est une production de... Oui, La Zineb est un feuilleton qui a été produit, c'est un feuilleton d'El Jazeera Yawan. Le contrat est signé avec un producteur exécutif depuis 2015 et c'est El Jazeera qui a financé. Et ce producteur il se retrouve à vendre le programme pour une autre chaîne. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Ben normalement non. Normalement non. Il a été mis en demeure avant que ce soit lui ou la chaîne, avant la diffusion. Mais malgré ça, il a été diffusé. Donc on a fait appel, on a fait recours aux voies légales pour... Donc l'affaire est en justice. Effectivement. Et comment justement, mettre de l'ordre dans tout ça? Parce qu'il y a des producteurs qui parfois... ne respecte pas les contrats, les clauses, les règles, l'éthique. Ça reste normalement, c'est ça. C'est le minimum ou la moindre des choses, c'est de respecter l'éthique et la déontologie. D'accord. Le réalisateur de La Zineb, Salim Hamdi, sera avec nous les prochains jours. Mohamed Salah Daas, merci. Merci à vous de m'avoir invité et de m'avoir permis un peu de parler de... d'El Jazeera Yawan. Comme chaque année, on vous invite pour continuer à parler. On parlera aussi du Petrol Khawa avec des invités, Inch'Allah. Prochain jour, avec quelques comédiens qui jouent dans ce feuilleton. Quand on parle d'El Khawa aussi, c'est un feuilleton qui a permis à des talents d'émerger, de dévoiler des talents. Et je parlerai d'Abdelkader Slimani. Entre autres. Le jeune qui a interprété le rôle de Jalil, exact. Qui s'est suicidé. Les gens ont été un peu... Qu'il reste... L'épisode a enregistré le taux de il était dans le trend pour un épisode de 40 minutes. Oui. Surtout le passage du suicide. Ouais. Parce que c'est un jeune, il est de Blida, il me semble, et il apprend dans le théâtre amateur. Comme quoi le théâtre amateur est également une belle école de formation. Inch'Allah, Abdelkader Slimani, Mohamed Salah, vous allez nous aider pour l'inviter chez nous. J'invite tout le monde à le voir ce soir sur Jazeera Show déjà. C'est à quelle heure? Ça sera notre invité à partir de 23h30. Après, vous, il viendra chez nous. Inch'Allah. Parce que l'espace théâtre à direct, c'est également pour découvrir des talents et les encourager. Effectivement. Merci Mohamed Salah. Alors je souhaite à tout le monde sahaf torkom. Merci beaucoup sahaf torak et sahaf tor nos amis qui nous suivent. On se retrouvera demain avec un autre débat complètement différent. On parlera des sciences. Au revoir sahaf torkom.